Pumps! Recouvrait tout, et les larves en profitaient pour nous attaquer directement. C'était un cauchemar. Content d'être sorti. Et maintenant? Eh bien, on appelle contrôle et on lui explique la situation. Contrôle, passez-moi Loomis. Que se
passe-t-il, lieutenant ? Colonel, il y a une larve sur le dos d'un monstre qui vient d'éliminer tous les hommes en poste au musée. Je demande conseil. Tuez cette larve. Protégez le musée. Colonel, ici Panuk. Cette larve, Agorasnaya, il l'appelait Karna. On n'est pas Agorasnaya. Mon armée a tout fait pour le tuer. Colonel. Et le missile lumière, alors ? Cadette, laissez donc la stratégie à vos supérieurs. Je ne veux plus vous entendre avant que le monstre de Panuk soit mort et que je... Confidentiel. Mais il y en a un ici, à Alvo. Son inventeur enseigne à l'académie. Ouais, le professeur Elliot. J'ai bossé dans son labo à la Croix avant qu'il rejoigne l'armée. Le missile est alimenté par de l'émulsion affinée. Plus il y a d'émulsion, plus l'explosion est forte. Ouais. Moi, je la connais bien, votre bombe. Oh non. T'étais à quelle distance du point de chute ? Bien trop près. Ce truc est capable de raser la ville entière. Celui-ci a un faible rendement. Après le rayon de l'aube, Elliot n'a plus travaillé dessus. Faible à quel point ? Baird, lieutenant. Pour lancer ce missile, il faudrait récupérer la balise de visée, les codes de lancement, activer manuellement le missile sur place et obtenir l'autorisation du commandement. Contrôle, ici Kilo. Bon, nous allons activer le missile lumière et l'utiliser pour tuer le général Karn. Aucune objection ? C'est bon pour moi. Très bien, allez, cadette. Tu retournes à l'académie. C'est un ordre.